Alors, tout le monde s'en a été, Merci beaucoup, Son Excellence, très chers compatriotes. Moi, je m'appelle Monsieur Lucien Kabea. Je suis le représentant de la société civile Force Vive de la RDC. Ma question est celle-ci. Nous avons constaté qu'il y a le passeport de nos frères congolais qui traîne ici à l'ambassade. Alors, nous voudrions demander, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que l'ambassade s'organise pour avoir l'extension au niveau de Cape Town? Selon les informations de l'Homme Affaires, nous constatons que nous sommes déjà plus de 300 000 Congolais ici en Afrique. Et il y a une difficulté qui se trouve parmi nos frères qui se déplacent de Cape Town. Quand je parle de Cape Town, nous voyons les Western Cape, les Northern Cape. Ils viennent, ils dépensent beaucoup trop d'argent pour venir suivre leur problème de passeport ici. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que l'ambassade s'organise en fait que nous puissions avoir une extension au niveau de Cape Town? Merci. Commandant de l'Assemblée de Jougou, communicateur à la communauté congolaise en Centrafrique. Excellence, vous avez une petite question. Non, avant d'avoir mes questions, je voulais vous préciser ceci. Les gens qui ont été montrés sur les réseaux sociaux avec les tenues ne sont pas des Congolais. C'est notre frère qui était ivre ou quoi, je ne sais pas. Il a mis seulement ces gens-là qui sont bruns, là qui disent que c'était des Congolais, et il a balancé la vidéo là comme ça. Ce ne sont pas des Congolais. S'ils étaient Congolais, parmi nous, il y a les gens qui devraient les connaître. Donc ce ne sont pas des. En fait, ce sont des Sud-Africains. Tellement mon évangé a perdu, quand on a mangé le roi d'Abisso, à Salivo, ils sont dans le but qui les Arabes Congolais. Donc ce ne sont pas des Congolais, ces gens-là. La première question est celle-ci. Qu'est-ce que nous pouvons dire à la communauté précisément pour les passeports? Parce que vous nous avez montré les lots de passeports aujourd'hui. La fois passée, quand on était ici, vous nous avez parlé du même lot de passeports. Nous voulons savoir s'il y a réellement des passeports qui sont venus après notre réunion de la fois passée avec vous. Et puis, ma deuxième préoccupation, c'est pour les cartes consulaires. Est-ce que je peux passer le communiqué à la communauté pour les cartes consulaires à Saint-Rémy, comme vous l'avez précisé? Ça, c'est... Et la toute dernière préoccupation sera sur le problème des gens qui veulent retourner au pays. Nous avons plus de 5000 personnes qui veulent retourner au pays. Je ne sais pas si cette fois-ci vous allez vous impliquer totalement pour que nous puissions donner le communiqué, afin que les gens nous envoient les noms pour amener ça à l'ambassade et qui va nous recevoir ici à l'ambassade sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Je m'appelle Tina Bouy. Je suis là comme chairperson de Mama Lima and Smart Lady. On répète le nom? Chairperson de Mama Lima et Smart Lady. Tina Bouy. Excellence,
Ma première question. Je fais son maman et maman. Smart. Ok. Oui. Ma première question, je crois que le commandant Anderson a déjà posé la question en partie. Je veux quand même ajouter quelque chose, c'est par rapport au rapatriement de nos compatriotes. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement que vous aviez prévues dans le cadre de ce rapatriement? Est-ce que c'est seulement les billets qui leur sera offert ou il y a des mesures d'accompagnement? Parce qu'on sait que quand le HCR le fait, on leur donne quelque chose pour les aider à se réinstaller. Est-ce que l'ambassade qui prend cette initiative a aussi pensé à cela dans ce sens-là? Et ma deuxième question, c'est par rapport aux personnes qui sont en prison. Vous l'aviez évoqué quand nous étions dehors. Certes, il y a ceux qui sont en prison parce qu'ils ont commis des crimes, mais il y a aussi ceux qui sont en prison peut-être pour des raisons de papier. Ma question, c'est de savoir, est-ce que l'ambassade, au niveau de l'ambassade, il y a des mesures qui ont été mises en place pour aider ces personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui et pendant un mois, une année, certains même deux ans, qui se retrouvent en prison juste pour des questions banales qui pouvaient être résolues parce qu'ils n'ont pas de lawyer ou des personnes pour les aider à s'en sortir, les jours passent. That's the end of the story. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Olivier Kalinga, président de la société civile, chairperson de NCCD, National Council of Congolese for Development. D'abord, je remercie monsieur l'ambassadeur pour sa disponibilité. Bon, je ne reviendrai pas à toutes les préoccupations qui ont été évoquées ici. Je pense bien que son excellence, monsieur l'ambassadeur, la communauté n'a plus besoin d'un éternel recommencement. Parmi les sujets que vous aviez évoqués, je pense bien que mes prédécesseurs vous ont posé les mêmes questions. Les sujets que je vais évoquer, c'est le sujet de Kuluna et de cybercriminalité. Vous en avez parlé. Nous sommes Congolais, nous connaissons ces gens-là. Il y a quelqu'un qui ne peut pas nier, qui ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ces gens-là ici. Nous connaissons, parce que nous vivons avec ces gens-là. Oui, nous vivons avec et nous les visitons aussi. Et parmi ces Kuluna-là, il y a une raison qui les a poussés à devenir comme ils sont, ou à faire ce qu'ils sont en train de faire. Je pense bien que lorsque nous nous sommes rencontrés le 26 mai ici, vous aviez évoqué ce sujet-là et vous nous aviez donné cette mission-là d'aller chercher à encadrer ces gens-là. Je me rappelle bien de ce dont vous aviez dit. Et parmi les gens qui étaient dans cette délégation, il y a certaines personnes qui ont, qui ont pu, approcher ces Kuluna, que ce soit des Djougour et ici. Ils ont tenté d'organiser certaines manifestations et ont pu approcher l'ambassade. Mais malheureusement, ils n'étaient pas appuyés. Raison pour laquelle je vous demanderai d'essayer de collaborer avec la société civile pour ce genre d'histoire. Et en ce qui concerne la cybercriminalité, comme vous êtes en train de dire, si les entêtes de l'ambassade sont sorties et certaines histoires de l'ambassade sont sorties, je pense bien qu'il faut chercher à bien suivre la source de ce problème, parce que c'est très grave, très grave. C'est sorti l'histoire de l'ambassade. Merci, bonne compréhension. Merci. La préoccupation, c'était M. Kabea a commencé avec, mais je vais élargir ça. Il a parlé sur un point où à Cape Town, où ils peuvent aider. Vous avez, c'était comment? Georgia Kabea, Kabomo. Georgia. Ok, le premier point c'est sur ce qu'il a dit. Il a parlé de Cape Town, mais ma pensée est sur une façon, si vous pouvez étudier les mécanismes de décentraliser votre office dans beaucoup de provinces, parce que ce n'est pas seulement le Gauteng, ce n'est pas seulement Pretoria. Je crois que les problèmes s'appliquent aussi à ceux qui sont à Durban, à ceux qui sont dans différents coins. Parfois, les transports, c'est un problème sérieux. Et quand vous n'avez pas un point d'attache à Gauteng, vous arrivez, vous n'êtes pas reçu,
vous ne saurez jamais, vous ne saurez pas peut-être où passer la nuit et tout. Nous n'avons pas tous le même statut socio-économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est relatif à la carte consulaire. Vous avez dit que la carte consulaire peut être réduite à 100 rien. Mais quels sont les termes et conditions attachés? Quels sont les termes et conditions attachés à ça? Je peux venir demander la carte consulaire. Je dois avoir 1, 2, 3, mais je ne savais pas. Vous savez, vous voyez combien nous perdons en termes de notre petite économie que nous pouvons avoir. En dernier lieu, je voudrais parler de centralisation d'un système de contribution pour que notre communauté puisse aller de l'avant, comme vous l'avez dit. En cas de décès, en cas de problème, on pourra toujours recourir dans cette compte pour aider. Mon point de vue est que si nous pouvons checker le nombre que nous sommes ici, nous parlons de société civile, mais ce n'est pas la seule société civile. Nous avons beaucoup de fractions au milieu de nous qui demandent à ce qu'un mécanisme puisse être étudié pour créer. Quand vous parliez de Pretoria, les représentants de Pretoria, les représentants de Johannesburg, deux, ça c'était impossible. Parce que nous sommes une fraction, nous avons beaucoup, nous avons nos missions, nous avons nos visions, mais nous travaillons toujours vers le bien-être de Congolais. Merci. Merci. C'est Ernest Boyenge, président de la communauté congolaise, la CECAS aussi. Ma question, c'est beaucoup plus dans l'ordre de définir. C'est Pasteur qui? Pasteur Ernest Boyenge. C'est dans l'ordre de service de la chancellerie. Parce que je crois que le grand problème qui affecte les Congolais à l'étranger, ce sont les services de la chancellerie. Jusqu'à présent, je connais pas. Je crois qu'au lieu que nous jetons des pierres à son excellence, nous devions plutôt jeter des pierres au chancelier ou au consulat. Et s'il ne fait pas son travail, ce serait à nous de revenir vers vous pour dire que la chancellerie ne fonctionne pas. Je trouve que c'est une aberration que nous puissions tout le temps se plaindre que l'ambassadeur ne donne pas de papier, l'ambassadeur c'est ci, l'ambassadeur cela. Je reconnais que vous apportez un plus, vous fournissez des efforts pour aider à ce que nous puissions obtenir tous les documents octroyés par la chancellerie. Mais je crois que si vous nous indiquez qui est la personne qui chapeaute la chancellerie, ça nous permettra de commencer à collaborer directement avec lui et à résoudre les problèmes des documents de la chancellerie. Les documents de la chancellerie, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est les passeports, c'est les cartes consulaires, les certificats de mariage, les certificats de naissance, les tenants-lieux, tous ces documents dont nous avons besoin pour vivre à l'étranger. C'est l'administration. Je ne pense pas que l'ambassadeur serait la personne que nous devons côtoyer à tout moment pour résoudre ce problème-là. Je crois que nous avons besoin d'une personne indiquée qui va faire ce travail-là. Et s'il faudrait décentraliser, je crois que nous pourrons en ce moment-là parler des consuls ou des chanceliers au niveau provincial à qui nous pourrons en ce moment-là collaborer pour commencer à concilier ces problèmes. Nous avons aussi, par rapport à votre demande sur les 10 points, nous allons nous concerter, peut-être nous réunir avec tout le monde, tous les membres qui sont ici. Je demandais à mon frère congolais de nous remettre la liste de toutes les personnes présentes. Nous aurons leur numéro. Nous allons tous les inviter à nous, peut-être la semaine, qu'on puisse se mettre ensemble pour essayer de revenir vers vous avec un mémo, avec les propositions que nous pensons. Nous pouvons ensemble vous aider, vous soutenir, pour que nous puissions arriver à résoudre le problème du congolais que vous avez énuméré, qui est aussi mon problème. Je dis et je vous remercie. Bonjour, ambassadeur. Moi, je me présente, je suis Edimou Amba, je suis président de Kasaï, Grand Kasaï Uni.
J'ai seulement deux questions. La première question est que... Attendez, vous appelez les membres. Grand Kassaïni. Gouverneur. Oui, nous avons notre organisation de Grand Kassaïni. La question est que je voulais demander à l'ambassadeur. En dehors de l'organisation congolaise, de toutes les Congolais, est-ce que l'organisation provinciale, en dehors du pays, c'est permis ou n'est pas permis? Quand je pose cette question, c'est par rapport à notre conférence que nous avons eu avec notre monsieur Paul Tshilumba, de la façon dont il a dénigré notre organisation. Et je voulais demander, est-ce que ce n'est pas vraiment permis à part l'organisation congolaise et que nous ne pouvons pas avoir notre organisation provinciale qui peut défendre notre culture et ce que nous sommes en train de faire? Ça, c'est ma première question, si c'est permis ou pas. Deuxième question est que, à tout temps que nous venons à l'ambassade pour exprimer notre organisation, parce que quand nous parlons d'organisation, nous sommes au nombre de plus de 2000 personnes en Johannesburg, à Durban, en Cape Town, et chaque fois nous venons pour exposer nos problèmes qui est notre culture, comme les Kassaïens, pour vraiment toujours continuer avec notre culture en dehors de notre pays, et que c'est comme si l'ambassade ne prend pas au sérieux et ne prend pas compte de tout ce que nous venons parler. Alors nous voulons vraiment que l'ambassadeur puisse comprendre que nous ne voulons pas que notre culture puisse mourir en dehors de notre pays et que les habitants de notre province puisse toujours continuer à comprendre que la culture sera toujours retenue jusqu'à la fin de ce monde et que l'ambassadeur puisse être là pour nous soutenir aussi dans notre culture. Ça, c'est ça. Merci. Merci. Moi, je peux parler en swahili, pas de problème. Oui, dans ce moment, je suis monsieur à Balozi Wetu à Congo. Kwa kutuita communauté zote hapa ili kutusikiliza. Mimi jina langu naitwa Ezekiel Ndunu, mwakilishi wa wazalendo katika Afrika Kusini, tukitumika pamoja na wale wazalendo huko nyumbani. Niko na mawazo yangu mawili, wale waswali zangu mbili nataka kuuliza. Je, unaweza ukatufikishia ombi letu kama vile wazalendo kwa baba rais wa nchi ya Kongo, kana kwamba est ya Kongo inapigwa muda mrefu kwa vita visivyokwisha, lakini wazalendo wana roho ya kukomboa nchi, wanakosa njia. Je, hawata katupatia ile jukumu la kusema tujisaidie wenyewe, tujipiganie, kulikoni kutuletea kila siku nani wanajeshi kutoka katika nchi fulani fulani wakuja kuangamiza na kupora nchi? Kumbe wazalendo wako tayari kupigania nchi yao. Atupatie kazi hiyo na tuangalie jinsi ya kudefend pei yetu isanguke mikononi mwa waasi. Hiyo naongea kuhusu nchi yangu. Nakuja kuhusu wakimbizi katika nchi. Atupatie ule uwezo, atupatie responsibility ya kufanya tulibere nchi yetu. UST inashindikana vita. Unaona? Wazalendo wako pale kwa kusurvey nchi. Parapora ya kutuletea majeshi ya kutoka huku, vaease, vanani, vakutaka vasadeke, vale wote hawakuja kutusaidia, ni kuja kupora nchi. Wazalendo tunalomba atupatie nafasi tukomboe nchi yetu wenyewe. Tuko pre kupigania nchi yetu. Swali ya wakimbizi hapa. Watu wengi wamekwisha kuexpire manane ma dokumenti zao. Ni kwa nini? Mtu anaingia anapata dokima hapa Pretoria, vina kuja difficile, anachangia province, anajikuta iko Kimbali, iko Debe, niko wapi. Bana mobilize arudi tena Pretoria kuja kuextend visa yake hapa. Akifosa tikia kufika hapa, anakuwa deja feble kusema afike kwa mafias kuripoti achangie dokima yake. Bila mpusa mtu anabakia bila dokima, wale isha expire, anashindwa kutoka kwenye iko kuja kwenye. Je, mheshimiwa, hawezi kufanya diplomasia yako kuambia government South African ifacilitate watu kama mtu anashangia anaingia province nyingine, bamsaidie hawezi kuextend pale kwenye ameingia. Ni fiscal iko na document iko legal mpei, bamsaidie kumtia mkompyuta kwenye alihamia tena kusudi akuwe na renewal pale. Ndio maana watu wengi zina expire document zao mwaya ma transport. Hii ndio yangu kwangu, nipende kupropose. Je disais, je réponds au nom d'Irène Baki. Je suis là, Irène Baki. C'était le problème. Quand tu parlais, souffler des élections,
qui sera là bientôt. Alors, vous, en tant qu'ambassadeur, vous représentez le gouvernement. Est-ce que vous avez prévu déjà les activités par rapport à la vulgarisation pour le peuple congolais? Parce que les peuples doivent être informés sur l'importance des élections. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour travailler avec les représentants de la communauté ou la société civile? Parce qu'on a vraiment besoin de parler sur l'importance des élections et sur les activités sur la citoyenneté. Est-ce que vous avez prévu ça? Et j'aimerais aussi avoir un peu de précision. La question a été déjà posée par M. Anderson. Quelle est la catégorie de gens qui sont censés venir acheter les cartes consulaires? Est-ce que tout Congolais, même s'il est utilise les Mbunda que nous appelons statut, peut venir faire ces documents? Et j'aimerais aussi savoir quel est le montant exact de Tenali. Par exemple, quand je rentre, on va me demander aux acquis d'ambassade, puis à Tenali, c'est combien exactement? Et le prix exact du passeport que vous envisagez de faire capturer les gens tout à l'heure. Merci. Merci à vous de vous remercier, son excellence ambassadeur. Je m'appelle Franck Gabriel Mabika Kazadi. Je suis membre de l'UDPS, Force du Progrès, secrétaire. C'est sur les élections. Ma préoccupation est celle-ci. Qu'est-ce que l'ambassade a prévu pour les votants? En ce sens que quelqu'un peut quitter Cape Town, 5000 km par bus, avec tous les dangers de la circulation et ce qu'on connaît dans ces pays. Quels sont les mécanismes prévus par l'ambassade pour les étancher un peu, cette charge-là des transports? Si on prend simplement Cape Town, on peut prendre le Nord-Ouest, toutes les provinces d'Afrique du Sud pour le dire. Pour décharger les Congolais votants sur cette démarche-là. Il est prévu de petites succursales, par exemple à Cape Town, à Johannesburg, ou encore à Pi, à Durban. Qu'est-ce que l'ambassade prévoit pour les élections? Et en plus sur la vulgarisation pour que les élections se passent en bonne et due forme. Merci. La parole. Moi, je m'appelle David Chimanga, le vice-président de la section Grande Bay. Ma préoccupation est celle-ci. Grande Bay. Oui, voilà. David Chimanga. Comme vous avez évoqué le problème de la contribution des Congolais, je profite pour dire aussi il y a de nos frères qui font le delivery. Ils vous meurent presque chaque jour, presque. Et ils tombent dans des accidents, il n'y a pas d'organisation. Je ne sais pas, j'avais parlé avec le président de votre parti, donc il avait dit qu'ils avaient déjà parlé, oui, d'abord il est là, ils avaient déjà parlé de ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez résolu pour ce genre de choses, parce que nous voulons un peu une contribution concernant ces gens-là des motoristes. Et des deux, la dernière question, c'était concernant, comme on a déjà parlé de ça, je voulais juste ajouter aussi quelque chose, c'est-à-dire, parmi ces gens qui viennent pour demander le passeport, est-ce qu'il y a une mesure spéciale pour identifier vraiment les gens parce que nous avons des infiltrés au pays? Je ne sais pas, voilà, c'est ça ma question. Dernière question, madame, bien sûr. Donc, les amis, pensent que les gens se dérangent. Ils ont fait la bise au temps, la chance, par mois, une fois. Ils ont fait la communauté,
ba responsable o soloni na ba mokoye ba ba o zo le kana communauté na biso toujours o déclarer mingi ba kokanga arbitrairement ba communauté nous ba zo ko assister ba ngo biso tozaka toujours abandonné et là nous sous toujours sentir que on dirait batu baza proche na yo nanu bazo entourage na yo bazo commissaire yo penza nanu ba message wa biso te oyoyo tozala na mona besoin to solola na yo penza boye et ta ke papa na biso et ta ke responsable. En tout cas merci beaucoup son excellence représentante des femmes congolaises engagées. En fait ma proposition c'était celle-ci, j'allais dans le sens du président. Je voudrais dire ceci, c'est pas tout le monde qui a le temps, qui veut que l'ambassadeur les reçoive régulièrement. J'ai déjà suggéré depuis longtemps qu'on ait une organisation des organisations. Si nous avons une organisation des organisations, nous nous réunissons tous les responsables des organisations se réunissent et nous avons des propositions ou un travail à faire avec l'ambassadeur. Nous pouvons faire once après trois mois ou tous les quatre mois. Voici les revendications de la communauté et nous n'avons plus, tout le monde n'a pas le temps d'être reçu par l'ambassadeur ou de passer tout le temps pour venir voir l'ambassadeur. J'ai proposé au président Ernest et je vais encore proposer à tous les représentants qu'on ait une organisation des organisations. Nous pourrons aller vite. Et aussi, dans nos organisations, nous avons déjà des comptes. Nous avons des accounts dans lesquels nous mettons l'argent. Ces accounts-là, nous pouvons maintenant faire un seul account dans l'organisation des organisations. Cet account-là travaillera avec l'ambassadeur. Nous pourrons aller vite. Sinon, c'est tout le monde qui voudra parler, ça nous prend beaucoup de temps. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, madame. Là, je vais répondre aux questions. D'accord. Là, on est en famille. Sentez-vous à l'aise. Je suis là pour vous. Là, j'ai enregistré, je sais pas si vous voulez, 14. Donc, 13 questions avec une proposition de maman Missé. Je vais tenter de répondre à tout cela. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup, en fait, c'est pour ceux qui me connaissent, j'ai fait longtemps aussi ici. J'ai fait longtemps ici en Afrique du Sud. Donc, il n'y a pas mieux que moi qui connais les souffrances de mes frères. Je connais ça. Je crois qu'une des priorités que nous avons ici, c'est la légalisation des noms. Work permit. Comment on peut vivre ici dans les normes sud-africaines. C'est une priorité vraiment à laquelle je m'attelle. Parce que si vous avez votre permis qui a expiré, mais comment vous allez sortir dehors? En attendant, vous devez prendre soin de vos enfants, des madames, et puis vous faire quelque chose. Mais votre permis vient d'expirer. C'est vraiment sérieux ça. Vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas étudier. Il y a des enfants qui souffrent parce que leur permis déjà venait d'expirer il y a une année, deux ans. C'est vraiment pénible, cela. Je vais tenter de répondre peut-être pêle-mêle. Peut-être commencer par M. Anderson, qui venait de donner la correction sur les faits trafiqués. Qui n'étaient pas des Congolais, quand même, ils étaient clairs et coiffés à la Congolaise, à la Quinoiserie. Mais les rumeurs là viennent d'où? Viennent de nous, viennent de vous, en tant que Congolais. Nous tous. Donc, you are blacklisting your own country, your fellow people. Et ça ne serait pas comme ça si la toile, ce sont des Congolais. Allez voir tellement. Par leur coiffure, tout de suite, vous comprenez, ce sont des Congolais. Manderson dit qu'ils ne sont pas des Congolais. Mais qui a propagé la nouvelle? C'est toi, c'est moi, c'est nos Congolais. C'est ça le problème. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Pourquoi toi tu vas chercher à noircir tes propres frères congolais disant qu'ils sont du coiffure? C'est repagné, c'est parti. Pourtant, ils ne le sont pas. Je suis tellement préoccupé pour régulariser les séjours de nos compatriotes ici. Je suis allé déjà rencontrer le ministre Home Affairs. Là, je vous le dis. Je suis allé le voir pour me plaindre, pour qu'il fasse quelque chose, parce que ça ne va pas.
Tout à l'heure, là, je vous parlais de nos frères qui ont des problèmes pour venir ici, pour avoir le visa. Mais on les fait attendre pendant un mois, deux mois, trois mois. Mais quand ils viennent ici, c'est 7 à 10 jours. Parfois, ils nous mettent de pression. En dehors, 48 heures, ils ont le visa. Pourquoi les nôtres, on les fait par l'hôtel? C'est pas correct. Donc, parmi les choses de nos frères, quand on en arrive vraiment au problème de régulariser leur séjour ici, et we are busy working on it. Quand nous étions à la commission mixte l'Afrique du Sud Congo, parmi les points de l'ordre du jour, à l'ordre du jour, c'était d'abord ce point-là. J'ai fait en sorte que ce soit le tout premier point. Que nous puissions voir des lumières sur ça. Et même le président Sidaf, il s'était penché sur ce cas aussi. Donc on travaille dans ce sens-là. Mais en attendant, nos frères sont arrêtés. Ils sont arrêtés, ils se trouvent en prison. C'est ce que Mme Tina disait. Pour des motifs vraiment simples, ils se retrouvent là pendant un mois, deux mois, trois mois. Difficulté de trouver les passeports, M. Kabeya. M. Anderson, il dit quel est le message que nous allons amener à ceux qui sont restés concernant les passeports. La réalité est celle-ci. Nous avons des problèmes d'ordre technique à Kinshasa. Les problèmes d'ordre technique, c'est-à-dire que les machines là, nous n'avons que trois imprimantes, malheureusement. Trois imprimantes qui ne couvrent pas les besoins de Kinshasa, de l'intérieur et puis de la diaspora. Et ces machines-là, à peine une ou deux fonctionnent. Heureusement, le gouvernement s'y met. Je crois que d'ici là, dans un avenir proche, on va commencer maintenant à produire en quantité vraiment considérable de passeports. Mais en attendant, donc, on doit grincer les dents. On doit grincer les dents. Donc, je voulais vraiment clarifier ici qu'on ne doit rien au ministère. Everything has been paid off. Tout s'est payé. Je crois qu'il nous reste peut-être seulement 6 passeports pour lesquels on doit payer. Mais en tout cas, tout est payé. Maintenant, nous nous battons parce que quand même c'est payé, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est payé, vous avez besoin de vos passeports. Yes. C'est ça le problème. C'est payé, mais où sont nos passeports? C'est le problème. Et c'est là que nous nous battons. Nous nous battons pour que... D'ailleurs, quand je parle à Kim, j'entre même là-bas, à l'intérieur. Donc, vraiment, je suis avec vous, je souffre avec vous. Je me bats, vraiment, je fais my level best for you people, my fellow brothers. Les quatre consulaires, c'est sans rien, Anderson. Merci, mon fils. Merci. Merci beaucoup. C'est sans rien. Que tu te tiennes le Munda ou pas, mais que tu ne puisses qu'avoir la carte consulaire. Merci, son Dieu. Sans rien. Merci. Merci. Alors, vous dites qu'il y a 5000 personnes volontaires qui veulent aller chez nous. Oui, mais écoutez, 5000 personnes, avec tout ce qui se passe là, parce qu'on l'arrête, il n'a pas de permis, bien qu'il rentre chez lui, il n'a pas de travail. On est complice, tant mieux, il veut rentrer. Et nous sommes là pour aider les volontaires, c'est pourquoi différentes sociétés civiles. Mais il faut aussi saluer l'idée de Mme Missing, donc représentante de femmes engagées, qui est pour l'option d'avoir des mettre sur pied organisation des organisations. Je crois que moi j'adhère avec Mme Tina. Je crois que si on peut procéder à ce chemin-là, ça va nous aider. Pourquoi? Parce que nos frères mères, nombreux ici, nous avons un camp. Moi, je ne vais pas Credo. Vous connaissez Papa Credo? Oui. Oui. Je crois que c'était son parcelle pour bien quelqu'un de proche de Papa Credo qui vient de décéder. On m'a appelé hier. Le corps est à la morgue. Donc, il y a à peu près un à deux Congolais qui meurt chaque mois. Là, nous n'avons pas évoqué le cas de Cape Town. Nous n'avons pas évoqué le cas de Djibouti, etc. Mais nous devons nous organiser pour que nous puissions entrer dignement nos frères.
Mais en attendant, nous avons encore la ville, devons vivre. Comment devons faire? Donc nous devons vraiment nous serrer les coudes. C'est pourquoi je me disais, si on peut ouvrir les comptes, c'est mon idée, mais jusqu'à personne n'est venu nous donner le numéro des comptes. Ça fait plus d'une année que je ne cesse de parler de ça. Parce que nous avons un compte. Par exemple, nous mettons même, moi je vais peut-être même 100 rennes, tant mieux. Même 200 rennes, tant mieux. Mais vous aussi mettez aussi. Autant que vous payez la carte consulaire à 100 rennes, c'est là aussi la sécurité pour verser ne fût-ce que 100 rennes le mois. Nous sommes nombreux ici. Nous sommes vraiment nombreux. Et nous sommes une force. Et cet argent, ça va vraiment nous aider pour enterrer, mais aussi pour soutenir les entrepreneurs. Vous avez tout parlé, vous n'avez pas évoqué le cas de business. Il y a un qui parle là, suivez. Suivez ce que je vous dis là. Personne n'a évoqué le cas de business. Mais l'ambassadeur est là pour vous aider. Free of charge. Pour les entrepreneurs qui veulent aller faire le business chez nous. Mais nous sommes là pour vous. Parce que si toi tu émerges, tu vas aider l'autre. L'autre, si tu émerges, va aider l'autre. Et moi, je suis là pour vous conseiller et pour vous canaliser, vous aider à ce que vous allez à Kim, si je dois vous accompagner, etc., pour que vous fassiez quelque chose. Ne soyez pas distrait, les businessmen. Et Madame Tina, elle est très, très forte. Et Madame Missingue, dans le domaine de femmes, dans la ligue de femmes, mettez-vous debout, faites quelque chose, je suis là pour vous soutenir. Amener des idées, tu veux me soutenir. Tu veux me soutenir. Vous savez, le président, vous vous rappelez quand le président Mbutu accédait au pouvoir, on a vu un petit ministre, hein? Sophie Liao Kanza, vous vous rappelez, c'est elle qui était la seule ministre. Et on a évolué comme ça jusqu'à ce que... J'ai vu quelques dames, quand papa Étienne a pris le pouvoir de 3 mois, il avait, je crois, placé trois dames dedans. Mais avec, aujourd'hui, avec le président Fatih, il y a à peu près 26% des femmes. On est là pour promouvoir aussi la femme. La femme congolaise ici, nous sommes prêts à vous assister avec des idées, avec vous encadrer. Vous avez oublié vos enfants qui sont à l'université. Vous avez oublié vos enfants qui sont à l'université. Qui sont à l'université? Je me disais que, bon, ça ne vous concerne pas, donc là, je garde pour moi. Non, vous avez parlé seulement de vous-même en tant que parent. Par oubli. Excusez-moi. J'ai le problème des permits. C'est un visa. À Kinshasa, je l'ai coincé aussi. Et je compte avoir aller le voir. Même si on a voté le programme civique, je vais le voir pour ça. On doit régulariser ça. Merci, merci. Alors, Madame Tina, tu es personne. Maman, non. Alors, tu as abordé, tu as parlé du rapatriement de nos compatriotes dans le même sens que M. Anderson. J'espère que j'ai résolu. Non. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour ces compatriotes? Oui, ça, nous sommes en train de gérer avec la centrale. Vous avez fait 10 ans ici. Et quand vous allez arriver, quelles sont les dispositions? C'est ça la préoccupation. Ce n'est pas seulement les retourner chez eux, mais voir aussi en quelle mesure les apporter un soutien, peut-être pendant les 3, 4, 5 mois pour que le temps de saisir. Je viens d'échanger avec le gouvernement dans ce sens-là. Olivier Kalinga, Kuluna et cybercriminalité. Comment était ta question? Tu parlais de quoi la tête un peu? Lorsque j'ai soulevé le point de Kuluna, j'ai bien dit que nous en avions parlé de la fois dernière, le 26 mai. Parce que nous sommes venus ici, vous aviez évoqué les problèmes et vous nous aviez chargé